Qui j'en ai, c'est Will qui tout simple a présenté nous une nouvelle vidéo. Vous avez regardé la première vidéo, nous avons fait sur religion, comme je me dis, deuxième partie pour le concentrer sur Haïti. Pour nous garder qui j'en religion rentré, qui j'en établi. Et bien voilà, c'est ça nous pour le dans cette vidéo. Ça là. Si vous pouvez regarder la première tour, pas de problème. Les sous page Facebook, là, les sous channel YouTube, là. Pas oublier, partager, liker pour la communauté qui a grandi. Nous tous contents de causer Christophe Colomb, citoyen qui était débarqué en Amérique là, en 1492, là, qui était dans la mission pour couronne d'Espagne. 3 août 1492, Christophe Colomb avec trois bateaux quittait l'Espagne. En octobre 1492, citoyen débarqué dans les Caraïbes, là, Liwe El Salvador, Liwe Bahamas, Cuba et puis Haïti. Christophe Colomb est là, gen bagay. 13 mars 1493, monsieur tourné l'Espagne pour aller dire mais qui ça le joine. Pendant monsieur ouè gen richesse pour vinn beauté, yo pa ka courir sous li konsan. Ah non non, pas oublier me dit nous gen gros puissance en Europe. Donc ou pa ka faire rien sans le pa bon autorisation l'église catholique. Eh bien, pape Alexandre VI dit l'Espagne, pas gen problème, nous pour l'autre bois pour aller piller, mais à condition faut que nous aller tout. Qui donc faut que li voye moun pa le tout pour aller bailler l'évangile. Question mettre moun nan esclavage là, pourquoi important pour papa là? Ça qui est important pour lui là, c'est est-ce que la kabay l'évangile? C'est comme ça, 4 mai 1493, dans une note papa sien, il y a eu le bulle pontifical, papa dit l'Espagne m'ba au feu vert. Elle fait ça ou vle, mais toute région, côté wap kapi a fait sou yo. Donc, notre l'église catholique, ça, c'est un élément clé dans la question colonisation continent Amérique, là. Pour l'église catholique, quand entre école bien dans la question colonisation terre, ça, avec participal là, qui c'est l'évangile, il y a des groupes qui là, des groupes religieux, qui portent le nom congrégation. C'est eux qui parlent la question santé, éducation, et puis, bah, la parole là, tout. Eh bien, famille, depuis notre deuxième voyage, Christophe Colomb en Amérique, il était accompagné de Ramon Pané. Un missionnaire chrétien qui était dans la congrégation Saint-Jérôme, qui était accompagné pour venir regarder qui Jean terrain y est. En 1500, premier groupe chrétien ou bien congrégation pour le débarquer. 1500, jeune franciscain, 1510, jeune dominicain, 1519, mercédaire, et puis 1568, jésuite, qui était dans la école dans tout le Brésil. Pour les Haïti, même depuis sous Amérindien, l'évangile a commencé à bailler. Et les esclaves commencé à débarquer, sortir en Afrique même. Là, les missionnaires ont vivre. Tout frère a tombé dans deux esclaves. Yon bo, yon l'autre bo missionnaire, petit point, va prier pour vous pour nous sauver. Ça, c'est avec l'espagnol. Les Français ont vu un bout de terre par eux. L'église catholique toujours là, a frappé mauvais, mauvais. Déjà, l'église a été aidée dans le travail là, dans fait esclave dodo. Colomb a baillé chapelet. L'église a baillé chapelet. En 1685, M. Français a eu venir avec un document pour gérer causer esclavage là, qui pote non code noir. Dans l'article 3 document, ça lui dit, yon interdit toute l'autre religion souterrain, sauf religion catholique romaine. Et là, tout, il était en obligation pour baptiser tout esclave. Ak français, le premier groupe religieux ou congrégation qui était commencé bien chita dans la colonie, c'est Capucin. Qui était dans nos pays depuis 1681. Les opales qui étaient en 1704, qu'on a ces jésuites qui ont pu frapper. Dans l'ouest, là, tout est gagné, c'est dominicain qui était campé en bon 18. L'homme dit dominicain, c'est religieux qui était dans la congrégation Saint-Dominique, s'il vous plaît. Dans jésuites, ou des genoux prêtres. Père Le Pes. C'est un nom qui a commencé à faire l'histoire, la première version dans l'histoire d'Haïti. Donc, dans les affaires racontées, l'histoire d'Haïti, l'église la donne longtemps, longtemps. Avec monsieur missionnaire, ça a chaque côté, il commence à mettre paroisse et il a une grosse autorité dans la localité. Là, tout c'est l'ouverture d'une gouverneur dans la colonie. Il a l'église la belle place. Vous cherchez prêtre en France et dans la constitution, par là, dans l'article 6, là, il dit c'est seulement religion catholique qui doit gagner souterrain. Rivé en 1804, Haïti indépendant. Kounya, c'est empereur Jean-Jacques Dessalines qui doit décider sous sort l'église là. Dessalines dit, nous mettons là. Nous avons qui ça? Eh bien, monsieur l'église, vous avez maîtrisé question organiser territoire. Vous avez une paroisse tout côté et puis vous avez transformé en ville communale. Empereur a apprécié ça. Sauf que, avec Dessalines, pas de question, oh oui, l'église catholique romaine, c'est religion tout haïtien, tralala. Dans la constitution 1805, il dit, tout le monde libre pour choisir religion ou vle. Il y en a qui fait que sortir dans l'esclavage, je vais réfléchir comme ça. 17 octobre 1806, empereur mourit. 27 décembre 1806, constitution sortit rapide. Il dit, l'église catholique romaine, c'est religion tout haïtien et c'est religion l'État. Ouais, mon cher. Bon, malgré la constitution 1816 là, il y a toujours une question, l'église catholique c'est religion tout haïtien, c'est dans la même année 1816 ça, tout,
protestantisme pral débarqué en Haïti. Oui, c'est en 1816 sous Alexandre Pétion, l'église protestante pral rentrer en Haïti. Et bien 16 juillet 1816, Étienne de Grelais, un missionnaire français avec un ami John Hancock, débarqué au Caï. Si monsieur joue une belle accueil, il était venu avec la bonne nouvelle du salut en Jésus. Les monsieur retourné la Caï, il dit que sont à Haïti là, ah, c'est bel accueil. Et en février 1817, deux pasteurs anglais, John Brown et James Cat, prêt le font paraître pour garder si c'est vrai. Et tout de suite après, monsieur protestant a commencé à débarquer en foule. Bon, gen griyo, gen banane pesé, gen tom-tom. Suivre Joël, n'a pas compris ça, m'a dit. C'est comme ça un pile jeune haïtien commencé à assister culte. D'ailleurs, ça était différent par rapport à Jean catholique laté. Il dit bon, faut que aller seul. Première l'église protestante qui était rentrée, c'était l'église méthodiste. Secteur protestant pour commencer à ouvrir les liens, c'est l'église baptiste et pentecôtiste pour rentrer dans l'année 1920 pour arriver 1960. Dis nous l'église catholique a ouvert col souterrain là depuis 1500. Yo. Mais pour que j'aime gagner un accord officiel avec Vatican, il y a des administrations qui étaient même fait des marches ça en Haïti pour te faire gagner un accord entre l'église et Haïti. Alexandre Pétion 1816, nous ouais dans constitution là l'église catholique red, Jean-Pierre Boye fait des marches tout, ça pas marché. C'est en 1860 que l'église catholique en Haïti pral prend une autre phase parce que là Haïti pral signe un accord avec l'église catholique qui vaut des noms concordat de 1860. À quoi ça, l'église pral mettre pays a, yo pral grand pile privilège. Nous est notre tête acte de l'indépendance Haïti a, si pas gain propriétaire Vatican, c'est pas faute président ça, Fabre Geffrard. C'est lui-même qui t'a choisi Pierre Faubert, un écrivain haïtien qui t'est exilé en France pour te faire négociation avec Vatican et puis signer accord ça. Dans l'article 1er accord ça, il dit l'église catholique qui c'est religion grande majorité haïtien doit gagner une protection spéciale à toute autorité l'église, évêque, archevêque. Et c'est ça que fait jusqu'à présent évêque yo dans pays d'Haïti yo ba yo machine officielle. Hein, nous pas comme ça. OK. Et article 3 dans concordat ça dit tout, chaque année gouvernement haïtien doit ba archevêché avec tout évêché l'argent dans trésor public là pour fonctionner. Et c'est ça que fait jusqu'à présent l'église catholique qui franchise sous un pile matériel là peut porter machine, matériaux de construction, yo ba yo terre pour réaliser tout ça a réalisé. Article 16 à quoi ça a même c'est lui qui a fait attention au monde. Il dit pas gain rien et même loi pays a pas qu'à empêcher ça dit dans à quoi ça a fait. Et loi pays a pas qu'à modifier rien dans concordat, il placé sous tête la loi. Qui donc il là pour l'été et l'éternité si Vatican pas dit rien sous lui. En plus de question l'évangile là pas gain question éducation tout à quoi ça pour le mener. Oh oui, c'est dans moment ça, éducation pays après elle tomber dans mes missionnaires catholiques yo. Qui donc dans mes congrégations yo. Ça qui pral fait gain l'école congréganiste yo. Pour missionnaire rentrer toute longueur dans question éducation, hein, yo pral rentrer avec une congrégation qui est le FIC, Frères de l'instruction chrétienne. C'est deux Français, Jean-Marie de la Menet et Gabriel Deschaille qui ont créé congrégation ça en 1819. 13 mai 1864. Quatre premiers frères dans la congrégation FIC ça débarqué en Haïti. Et 4 octobre 1864, première école l'a été ouvri qui porte le nom Jean-Marie Kiou. L'école s'est trouvée tout près de la cathédrale Port-au-Prince. En 1890, monsieur Bral fondé Saint-Louis de Gonzague. Ça c'est congrégation garçon. Dans le même moment, tout est une congrégation fille. Premier nous déjoigne, c'est congrégation Saint-Joseph de Cluny. Et première l'école l'a mettre sous pied, c'est Sainte-Rose de Lima. Mère l'a lu. En 1865, congrégation a rentré toujours. Ou va jouer une congrégation Saint-Esprit qui va fonder petit séminaire collège Saint-Martial. Après ça, congrégation pral pousser dans cour Jonjon ou va jouer une congrégation Marie Immaculée dans sud, Père Montforte dans nord-ouest, Salésien de Don Bosco dans l'ouest, congrégation Fille de la Sagesse, Fille de Marie, Sœur de Saint-François d'Assise, yon la trié congrégation qui l'a fondé l'école dans le pays d'Haïti. Et après rappelé tout, c'est l'école privée. Bon, faut qu'on ait des moyens pour aller là-dedans. Dans un petit temps, l'église catholique est en maître éducation pays. Et monsieur FIC tout pour l'a fait un livre pour l'école. Histoire, géographie, à tout livre. Ah là, l'État sauvé. Bon, on ne peut pas se nuire, nous ne pouvons pas organiser rien bien. Mais qu'on y a, on fait un petit coup de pied en France.
parce que c'est yo qui vini avec FICA pour nous. En France tout dans commencement 1800, c'est missionnaire ou bien congrégation qui te met éducation. Là nous revenons en 1880, dirigeant France vinn gen l'autre objectif qui c'est faire tout français qu'on lit. Eh bien, yo vinn wè faut que uniformiser question éducation pour qu'a rendre action yo bay résultat. C'est là tout yo pral di monsieur dame l'église yo, merci beaucoup pour service yo rend nation. Qu'on y a ça la France besoin en termes d'éducation, l'église pas kabalil. 16 juin 1881 avec loi Ferry, l'école primaire gratis pour tout français. Loi 16 juin 1882 dit toute l'école doit laïque, qui veut dire l'école pas doit non mais religieux, c'est l'état. Et loi Goblet 1886 pral dit monsieur dame missionnaire pas gain autorisation pour gérer l'école en France. Et rapide vite, l'état ferme toute l'école congréganiste. L'État prend en charge éducation tout français. Là, monsieur la missionnaire, ça a tombé la gueule dans l'autre pays, Canada, en Afrique et en Haïti. Mais nous, on est à tête, nous tout. Monsieur, pas mettre missionnaire au dehors et puis éducation vient plus mal, non? Parce que vous êtes bien défini, ça a été voulu. Tout changement vous voulez faire, faut que vous ayez un objectif clair d'elle. D'ailleurs, nous, en Haïti, lycée, l'État géré. Nous, pas dire plus. Donc, français ont bien pensé, réforme, ils mettent moyens financiers et moyens techniques pour mettre le bien chita. Haïti, même mon examen officiel, ministère qui a géré l'éducation, a un problème pour l'organiser le bien. Moi-même, Will Kitoussin, en 2012, je suis allé dans le baccalauréat première partie, tu as gagné le ça. Examen chimie, je vais le faire. Moi, je suis sous place Beauvais, dans quoi des bouquets. Il a résoudre lui. Ah, nerveux, frustré. Parce que c'est malhonnête. Et depuis là, tout, c'est de choix nous commencer à faire. Vous voyez, là, staff qui est dans le ministère qui a géré le dossier ça en époque là, fier là aussi, il a fait un gros cadre, il a fait belle carrière. Bonne sangouin. Nous ne pouvons pas de courage, tout. On avance. Mais pendant l'église catholique a baillé l'évangile là, la baillé l'école là, il sent-il puissant. Et puis il dit, il y a une question vaudou qui est là, faut que nous mettons fin là-dedans. Eh bien, dans la fin de l'année 1800, l'église catholique a lancé une campagne qui est la campagne anti-superstitieuse, qui est un gros groupe contre vaudou. Il y a un père qui était le père Pascal, il a écrit au ministère des cultes, il dit qu'il souhaitait éliminer la question vaudou. La question ça a empêché un bon avancement l'évangile là. Eh, il n'est pas bon pour tranquillité pays. Bon, pays a pas le nom Alexis dans tête à partir de 1902, qui sont gros vaudouisants devant l'éternel. Bon, l'église obligée fait un tissage. 1908, nous Alexis quitté pouvoir, qu'on a deviné Antoine Simon. L'église a dit, ah là, nous allons frapper. Monsieur, bâton pour vaudou. Déjà, depuis 25 juillet 1909, monsieur, vous mettez une chapelle dans le palais. Chaque matin, c'est maman Marie ou c'est, maman bon Dieu, ou c'est péché. La prière pour nous jeudi, avec les nous prêts pour mourir. Amen. En 1912, bonheur, monsieur, reprendre question courir derrière vos doigts. Bon là, en 1915 rentré, l'église a fondu posé. Oh, en 1940 encore, oh, l'église bâton dans la vodou, crasse pestil, courir derrière vos doigts. Et puis pendant l'église a courir comme ça, sous cousli, dans les 60 ans, papa doit pas passer long tacle. Bah, faut choisir aller prendre courir derrière un bonne prête. Il sentit monsieur ça pas fin trop content pour j'en la gérer pour voir. Bon régime là avec l'église, là a fonctionné mais pas tellement bloqué vrai. C'est ça qui fait dans l'année 80, l'église catholique te joue un gros rôle dans frapper dictature. Pour question monde qui en dans religion dans pays là. Dans donné IHS Bay dans l'année 2005 yo, t'ai gagné 54% monde qui catholique dans pays là et 15% monde qui baptiste, 7% pentecôtiste, 2% adventiste. Et la trier, qui moun kap di, bon, il qui tout c'est un vaudou, a pas di rien sous lit dans question religion, ça va parler. Relax, cause vaudou a un petit genre compliqué. Il m'a donné une vidéo pour compte lit, pour bien comprendre le dossier ça. Même si l'église catholique te gagne plus pouvoir, l'église protestante, tout depuis le finatri dans l'année 1816, l'a géré dossier, l'a bail l'évangile, l'a éducation, l'a santé. Déjà 40% l'école primaire dans les protestants, avec tout 40% l'école secondaire. Le à l'université, on a besoin de 25% d'université aussi dans mes secteurs. Question santé, l'hôpital, on a besoin de 60% dans mes tout. Ok, bon, dis-nous une petite parole. Là, on prend l'église, protestant, catholique. Nous avons tout pourcentage de gain dans mes ou dans la question éducation, santé. Mais résultat, Haïti, c'est le pays qui est plus pauvre dans l'Amérique. Là, un problème. Ça qui passe. Eh bien, dans toutes les données qui existent, on a montré que l'église n'a pas capable de développement dans le pays. Besoin même gens ONG pas capable tout
formule ça pas marché pièce côté sous planète là. C'est ça qui fait un pile pays sorti là-dedans yo. Ce qui ça juste là, yo important comme auxiliaire. Comme yon groupe moun qui adhère à religion yo, yo aider communauté ça dans toute question ça, santé, éducation et qui très important. Mais pour développement global yon pays, c'est de femmes et garçons société à préparer pour ça. C'est de génération li préparer pour penser question ça. Société a commencé faire ça à partir de qui type de l'école y a fait, qui donc qui type de citoyen y a formé. En Haïti jodiyan la, pi bon l'école yo, nan réalité pa nou an, c'est l'école l'église yo. Maintenant question c'est est-ce que l'église yo ka formé citoyen Haïti besoin? Question ça m'kitil pour nous même répondre. Et m'espère nous t'apprendre en pile dans cette vidéo ça. Parfois li important pour nous venir avec vérité yo, pour nous étaler ou nous ka wè yo et nous ka réfléchir sur yo. Comme ça, gen de changement qui ka plus facile pour nous porter. N'ap kampe la, n'ap pran randevou nan l'ot ti video e yon pi bel ti video. Peace.